C'est un total de 312 supporters et sympathisants des tout-puissants Gleber Mazembe réunis au sein de la coordination des supporters dirigée par le tout-vaillant Mario Kawenchid, qui quitte Lubumbashi pour Kashubwe en guise de l'Assemblée générale ordinaire de la structure prévue le 20 août 2022. La route vers Kashubwe, là où nous allons s'entretenir pour notre assemblée de la coordination. Comme vous voyez, tout est prêt pour le départ pour ce soir vers Kashubwe. On reste calme, nous sommes partis là-bas pour donner les rapports et tout va se passer bien à Kashubwe. Chose faite, on a dit ça à Kolozi lors de notre assemblée à Kolozi. Et aujourd'hui, chose dite, chose faite, nous allons à Kashubwe. Après le départ de la première délégation, le président de la coordination quitte Lubumbashi au bord de sa luxueuse 4x4 pour rejoindre le groupe. Chemin faisant, Mario Kawel s'arrête un peu pour une pause et pense que tout et le voyage s'effectuent très bien. Oui, c'est pour l'amour de notre équipe chère, le tout-puissant Mazembe, que nous aimons beaucoup. Nous sommes déplacés, chose dite, chose faite. Aujourd'hui, on est en route vers Kashubwe. Nous allons arriver là-bas, déjà il y a de l'ambiance, tout le monde est déjà là-bas. Ils m'attendent, moi je suis en route pour Kashubwe. Et même au coucher du soleil, le voyage est agréable. C'est finalement à 23h que la délégation du président de la coordination, Mario Kawel, atteint Kashubwe. Accueilli par les secrétaires qui pensent tout mettre en place pour le bon déroulement de l'Assemblée. Ça tout est bien préparé et organisé d'ailleurs. Ça va se passer tout le matin autour de 9h-10h. Nous tenons notre assemblée pour que certaines délégations commencent à se déplacer. Bonne chance. Merci. C'est donc bien parti pour le déroulement des assises de l'Assemblée de la coordination des supporters des tout-puissants Gleber Mazembe prévu à Kashubwe pour ce 20 août 2022. Quand on a pour modèle Moïse Katumbi Tshapwe, l'idéal est donc de suivre ses principes, jamais promettre sans réaliser. Lors de son récent passage à Kashubwe, Mario Kawel avait promis à un groupe de jeunes animateurs des musiques, un instrument complet. Chose promise, chose due. Le samedi 20 août 2022, avant l'assemblée de la coordination des supporters des TP Mazembe, Mario Kawel a réalisé sa promesse. Un kit complet d'instruments est remis à ses groupes à l'hôtel Kashubwe. Moïse a chilandaki kindu kama na laka paka kifanya. Na shi tunafata wakil modeli ya. Waroya kapeyo! Kama tunafanya, tunalaka kindu, tunatimiza. Yo hii. Que des remerciements de la part des bénéficiaires qui pensent que Mario Kawel est sur les bonnes traces du Zorobabel Moïse Katumbi. Rezo merci sana kwa ile ulitulakaka. Tunajua sema muko mmoja pamoja na Moïse Katumbi sa vile yeye ashilakake bia bongo na wewe hawezi kulaka bia bongo kwa sababu muko mwasamba. Tunashukuru merci sana asante papa Mario. Brezo mwabombeni tuleta sha sana no kutotela. Fata sha sana merci beaucoup. Amen. Ainsi donc, le village Kashubwe aura un groupe d'animateurs bien garni. Le village Kashubwe a été l'antre des assises de la coordination des supporters des TP Mazembe pour son assemblée générale ordinaire. Déjà le matin, le moral étant au beau fixe avec l'accompagnement divin via l'archibishop Paulin Mwewa. Le vice-président en charge de l'administration, Alexis Kiansa, pense que tout est en place. D'abord, on félicite le président Moïse Katumbi Tshapwe de nous avoir donné cette installation pour venir faire pour la première fois la coordination des tout-puissants Mazembe Angleber. Vient faire l'assemblée
ordinaire à Kachobwe. Alors, je donne, je remercie sincèrement Moïse Katumbi Tchapwe de nous avoir accordé cette installation luxueuse. Et je remercie aussi le président Mario de s'impliquer pour que cette manifestation puisse se passer ici. Bantu njovile, na comprendre njovile bantu bane kalaka Bifano yabo, bakubadirike fopaka yesu arudie Ona leo, bana saulika biotori bafashiaka Kuna kwa mubaya, ili sabu njobari anzaka kukutaka Bana saulika keo darudiaka Chiku ni moya mutaona naka Leo na kwa mutumu Deja Ce matin-là, du 20 août 2022, tout le monde bien relax et remercie le président Moïse Katumbi Tchapwe pour le cadre. Kadé Nondé, membre conseiller de la section Cercle Hippique. Ça se passe très très bien. Ça se passe très bien. Maintenant même, nous sommes en train de préparer l'assemblée. Sinon, nous étions très 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 bien accueillis. Et puis, la place aussi, elle est vraiment vraiment très agréable. Vraiment, c'est du merveille. C'est du merveille. Ce qu'il a déjà fait, vraiment, c'est du merveille. J'étais même à son domicile, dans sa résidence. Je n'ai même pas trouvé, je n'ai pas su comparer à une place à Lubumbashi. Donc, c'est du merveille. Si du moins tous les politiciens faisaient de la même chose, ça serait être un très grand changement. De l'Assemblée, Mario Kawel, président de la coordination, avance sous l'accompagnement musical du groupe d'animation, les 100%. Dans la salle, après une courte prière, arrive le moment des assises, avec le mot du président de la coordination qui, dans son mot, remercie vivement le président Moïse Katumbi Tchapwe pour son apport, combien louable envers la coordination. Je commencerai par remercier le président Moïse Katumbi pour ses cadres. Magnifique offert en ce jour solennel où nous avons le plaisir de vous présenter ces assises d'une assemblée digne de la coordination qui va se passer aujourd'hui ici à Kachobwe. Mesdames et messieurs, distingués invités, aujourd'hui nous allons vous présenter les rapports administratifs, financiers et sociaux. S'ensuit la présentation des différents rapports, dont celui administratif, lu ici par le secrétaire Sylvain Tanga. Aucune structure parallèle à la coordination des supporters de TP Mazembe ne fonctionnera sans l'aval préalable et l'installation du mât de cette dernière par les membres du groupe de la coordination. Toute installation d'une section ou structure regroupant les supporters et sympathisants est précédée par une lettre adressée en bonne et due forme au bureau de la coordination.
un mois avant l'installation pour étude du dossier. Les récalcitrants, voulais-je dire, ne s'en prendront qu'à eux-mêmes. Puis complété par le patron de l'administration de la coordination des supporters de TP Mazembe, Alexis Kiansa, qui insiste sur la redynamisation des sections. Les tout-puissants, l'impossible n'est pas possible. Merci beaucoup pour la parole, président. Mais là, je vous pointe tout l'eau qu'on attend pour compléter autour de la victoire au SEMA. Prenez en redynamisation et à ma section. D'après le président Moïse Katumbi Tshiapwe, à Itonesha, bureau, il peut être tout proche, il y a section. C'est pour cela que je suis tourné ma chicou, je suis faire ma visite et à ma section Yote. Un jour, il y a pour redynamiser une section, il ne faut pas que je suis avant de voir, il faut avant de beauté. Du coup, Moïse en penda, a couillé tout proche. Parce qu'un jour, il peut demander ça, non, je section Fulani, il a visité. C'est-à-dire, acheter une goutte à mon goût, il va 5. Quand on est mis à présenter 0R, il faut quelque chose, on a quoi, comme 14, 15, il faut qu'on amène à Mingi. Ensuite, ce financier et social, tous adoptés à l'unanimité. Bientôt 378 jours. Jour pour jour, depuis que nous avions tenu notre assemblée en date 17 août 2021 à Colouisi. Qu'il nous soit ici permis de vous retracer ces quelques lignes en vue de vous donner la situation de la trésorerie de la coordination pour cet exercice sportif 2021-2022. C'est sur une ambiance festive que les assises se sont clôturées. Le social du président de la coordination des supporters de TP Mazembe, Mario Kawel, ne se réalise pas seulement à Lubumbashi. Il dépasse même les limites. À Kachobwe, village natal du Zorobabel Moïse Katumbi, accompagné de son vice-président Alexis Kiansa et le premier conseiller Guillaume Bigobo, Mario Kawel a visité l'orphelinat et vieux de l'hospice, construit par le très social Moïse Katumbi. Ici, un don des sacs de farine et une somme importante sont remis aux responsables. Je vois bien la bancambo, la matoto. Motif de satisfaction pour les récepteurs. Après réception, le responsable de l'orphelinat n'a pas tardé d'éloge à l'endroit du bienfaiteur, Mario Kawel. Merci beaucoup. Merci Sana. Puis une visite guidée s'ensuit du dortoir des filles à celui des garçons en passant par d'autres appartements. C'est seulement un merveilleux hospice des vieillards construit par Moïse Katumbi dans le Kachobwe. C'est Katumbi Tshiapwe dans ses œuvres, l'homme de Kachobwe. On est là. Félicitations, Prézo. Charman, Batikayo. Avant de quitter la place, Mario Kawel demande une chose. Remettre l'équipe de TP Mazembe par ses hommes et femmes du troisième âge entre le main des dieux.